He was just listening to Solid Rock Candy. Yeah, let me know. I'd love to see it. I leave this festival so happy. It was such an amazing experience. You know, not only, of course, were we so happy that the film won two awards. You know, it won the Grand Jury Prize and it won the Audience Award, which is so amazing. And it was so incredible yesterday to screen the film in the Salle d'Une, which is crazy. You know, for in a room of 800 people, it was amazing. Everybody clapping and laughing and maybe crying, I hope. But also, this is such an incredible experience to be in this festival because it's a real festival. It's not just a couple of movies or something, but it's so complete. You know, there's movies and there's authors and there's comic book artists and there's painter artists and there's games and today is the cosplay competition. It's like so many things going on. And everybody eats together. There's one room where everybody goes to eat and there's one bar where everybody goes to drink. It's just really like, you know everybody. You know, you're not, you know, sometimes being a filmmaker, you go to a festival and you're kept separate from people. But that's not fun. You know, you want to meet people and you want people to stop you and say, oh, I really liked your movie. And it's like, and they say, thank you for making it. And I say, thank you for watching it. I mean, thank you for giving us an hour and a half of your time. That's amazing. It's so, it's the most fun to interact with people. And I feel like this festival has the most interaction that I've ever experienced. I got to hang out with Jan Koenen, which is, you know, come on, that was fantastic. Because he was on the jury, so after the prizes were announced last night, you know, we all went to dinner together and I got to hang out with him for a whole bunch. I mean, it's just, there's so many incredible people. Even Frederick Thompson, you know, who runs the festival. I mean, it was so great to finally meet him. We spoke on the phone so many times and so long, trying to get the film to play at the Etrange Festival in Paris, and now we got to play here. So it's just, everyone you meet is so fantastic that it's really great. It's a great time. You know, is it just the ability? Yes. You know, you have to have, I assume you have to have those rights. On the 10th time, maybe we can have a lot of questions. L'Autre Monde, the documentary by Richard Stanley. It's the last thing I'm going to do at the festival before I leave, so I'm very excited. I love Richard Stanley, of course. Who doesn't? First time in France? First time I'm going to see it, yeah. So I'm so, because he's in our documentary, so I'm so excited. Pleasure is mine. J'avais plus l'impression que quand tu es parti dans les galaxies, après, hop, de l'air. Vous pouvez accéder à d'autres sites. On ne va pas retourner sur la Lune, mais on va retourner. Vous allez voir une autre proposition de site qui va arriver, là, par exemple. Au milieu, le petit rond. Non, non. On présente une exposition qui s'appelle Explore Nova 360. C'est une découverte interactive de l'univers et du système solaire. C'est-à-dire qu'en fait, avec la main, on peut passer au-dessus d'un petit capteur, ça s'appelle une Leap Motion, et on va réussir à piloter des panoramas, par exemple la Lune. On peut aller, en un coup de poing, on peut aller se balader sur une galaxie, aller voir les exoplanètes. On peut aller se promener également sur Mars à travers des panoramas martiens. Alors c'est un projet de recherche, hein, ça s'appelle Explore Nova, c'est un projet de recherche entre le CEA à Saclay et l'Université de Nantes. Alors c'était très dense, hein, ces jours ont été vraiment très très denses, qu'on a eu beaucoup de succès, en particulier grâce à nos médiateurs scientifiques, hein, qu'on fait un super bon boulot de la Société d'Astronomie de Nantes. La salle n'a pas des amplis depuis le début des Utopiales, donc c'est vraiment un grand plaisir de voir toutes ces personnes. Les gens ont l'air
relativement satisfait. Il reste, hein, il y en a même carrément qui reste passé une heure et demie assis à écouter un planétologue ou un astronome leur parler de Mars et de l'univers. C'est vraiment un projet de recherche Explore Nova, et donc Explore Nova 360, c'est un livrable de ce projet de recherche. Donc évidemment, c'est très important pour nous d'expérimenter auprès du public ces nouvelles technologies, ces technologies numériques qu'on utilise, pour voir si en termes d'usage c'est agréable, ce n'est pas agréable. Donc on retient vraiment, on discute beaucoup, on essaye d'écouter. Moi j'essaie un petit peu de, sans trop me présenter, d'écouter ce que disent les gens quand ils sortent de la salle pour savoir s'ils ont trouvé ça intéressant, facile, ergonomique, etc. Donc c'est vraiment hyper important d'expérimenter bien sûr sur le public. Les limites de notre dispositif quelque part, on voit les améliorations effectuées. Vous étiez combien sur le stand au total? Ouais, on a dû être 15 ou 20. 15 ou 20. Bah, je suis en bénévole sur le festival. Je fais suivi des tables rondes et conférences. Il n'y a pas de grand chose à faire, franchement. Donner les casques aux gens, donner les micros aux spectateurs, compter les spectateurs. Tout l'autre temps, tu traînes, tu fais ce que tu veux, tu regardes les films. Moi, j'ai pas vu de film. J'ai pas pu. Mais bon, vu qu'on était à l'espace Chaillol, on a assisté à toutes les conférences, donc c'était quand même intéressant. Oui, bah moi, je pensais aussi. En fait, disons que tu me charges. Là, je vais ensuite dire, tu vas charger. Alors, hop, je bouge, je sors. Tu peux te courir, ça me trouve. Oui, et bah, là-bas, on a des trucs de formation. Il n'y a pas des peintures climatiques parce que. Ah, bah, il va falloir rentrer. T'as plein d'embouts pour pinceau là? Tiens, citadelle.